dans la somptueuse salle du Hampton Conference Center, située au cœur du Maryland aux États-Unis. L'éclat et la sophistication étaient de mise lors de la soirée de gala Ladies Night, organisée par Claire Tiencheu, CEO de Cityprod. Cet événement d'exception était dédié à la célébration de la Journée internationale de la femme, mais cette année, une touche particulière a été ajoutée pour marquer les 5 ans d'existence de Ladies Night. Les femmes de la diaspora, accompagnées de leurs époux, ont afflué en masse pour participer à cette célébration unique. Claire Tiencheu, emplie de gratitude, a pris la parole pour remercier chaleureusement le public présent, donnant ainsi le coup d'envoi à une soirée mémorable. J'avais promis ce soir que j'allais pas faire un discours. Mais avant de vous remercier tous, j'aimerais d'abord que nous ayons une pensée pour ces mamans qui sont dans les hôpitaux en train de se battre entre la vie et la mort. Ce soir, j'ai failli appeler cet événement off parce qu'on m'a appelé de la France pour dire que ma mère est en train de se battre pour sa vie en ce moment. Mais ma mère a demandé à mes soeurs de ne pas m'en parler. Mais ma petite soeur m'a dit qu'elle devait m'appeler parce que ce qui est en train de se passer pour ma maman n'est pas bon. Je voudrais tout simplement vous demander tous d'avoir une prière pour cette maman qui s'est toujours battue pour ses enfants, qui s'est toujours battue et qui actuellement est en train de se battre pour sa vie. Je saurais vous remercier ce soir sans vous demander d'avoir une pensée pour ma mère parce qu'elle était là au début de cet événement à Washington DC. Ma maman y était présente. Mais aujourd'hui, ma maman est dans un hôpital en train de se battre pour sa vie. C'est très très difficile. Je tenais à le faire. C'était très très important pour moi de vous demander de prier pour elle, prier pour ma maman, parce qu'elle est trop chère pour moi. Je voudrais aussi demander de prier pour toutes ces femmes qui sont dans les lits, dans les hôpitaux en train de se battre pour la vie, exactement comme ma maman. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vais demander à ma soeur, Nathalie Vanity, ma jumelle, et à Solange de le faire pour moi. Mais je leur ai dit qu'il fallait que je le fasse moi-même depuis que moi. Je tiens tout simplement à vous dire merci d'avoir abandonné toutes vos occupations pour venir ici ce soir célébrer avec nous cet événement. Ce 5e anniversaire qui nous tenait vraiment à cœur. Je tiens à dire merci à mon époux qui a toujours été là pour m'accompagner, qui a toujours été présent. Et je tiens aussi à vous dire que l'événement du Lady Night ne se célébrera plus de manière annuelle. Nous ne le ferons plus de manière annuelle, nous le ferons tous les deux ans. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas Lady Night. Lady Night reviendra dans 2 ans. Mon ténor vous le dit, parce que l'année prochaine, ne cherchez pas Lady Night, il n'y aura pas Lady Night. Ça célébrera tous les 2 ans. Ce soir, nous sommes accompagnés par le champagne Tsuotsu. Ils ont dit qu'ils nous accompagnaient ici ce soir et si tu prends la maison, si tu prends ensemble avec Tsuotsu, avons décidé d'offrir une bouteille de champagne à l'occasion de la célébration de ce 5e anniversaire à toutes les dames présentes ici ce soir. Vive le Lady Night, vive son 5e anniversaire, yes. Rentre chez vous dans les bonnes conditions. Merci. Les convives ont été gâtés avec un menu spécial, accompagné de champagne 202. Cependant, le moment le plus attendu de la soirée fut sans aucun doute l'entrée des femmes influentes de la diaspora, accompagnée de celle du gâteau d'anniversaire pour célébrer les 5 années d'existence de Ladies Night. Un instant chargé d'émotion et de glamour,
où le succès et l'impact de cette initiative ont été célébrés avec éclat. La soirée s'est prolongée jusqu'à l'aube, bercée par les meilleurs rythmes africains, orchestrée par l'un des meilleurs DJ de la région. Une ambiance envoûtante où la danse et la bonne humeur étaient au rendez-vous, laissant à chacun des souvenirs inoubliables de cette nuit glamour et festive. Ladies Night, au Maryland, ne cesse de s'affirmer comme un rendez-vous incontournable, alliant élégance, célébration et engagement envers les femmes et leur contribution remarquable à la société. Cette soirée restera gravée dans les mémoires comme un exemple de glamour et de solidarité féminine. Depuis le Maryland aux États-Unis, je suis Philippe Gangan pour Afrique Today Web TV.